Je vous propose aujourd'hui un verset qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, le verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » À chaque fois que je lis ce verset, j'ai l'image d'un gros camion Ben rempli de gravats qui arrive tout doucement à la décharge, à la déchetterie. Et voilà que la benne se lève et tous les gravats sont ainsi déchargés. Plus besoin que ce camion porte ces lourds gravats, de les trimballer. Même les roues de ce camion ressentent la différence de poids. Dieu se propose d'être pour nous cette décharge. Pas très glorieux, non, comme image. Mais en même temps, il vient et il me dit « Déverse sur moi, déchargez-vous sur lui, déverse sur moi tout ce qui te pèse, tes soucis, ta colère, ta fatigue, ton angoisse, tes inquiétudes, viens. Viens comme cette benne et déverse, décharge tout sur le Christ. » Il a les bras grands ouverts pour nous accueillir. Nous n'avons pas besoin de garder quoi que ce soit. Déversons sur lui. Comment ? Comment on déverse ? Le camion, il soulève la benne. Et moi, comment je peux faire pour décharger sur lui de tous mes soucis ? Comment je peux le faire ? Eh bien, en le parlant, en le lui disant. En lui disant, « Seigneur, je me décharge de tels soucis sur toi. » Je me décharge de cette telle angoisse, de telle fatigue. Tu vois cette colère qu'il y a dans ma vie ? Je m'en décharge sur toi, en parlant, en le formulant, en le disant dans ma prière, en acceptant que ce soit lui qui s'en occupe, sans le reprendre tout de suite après, en acceptant que désormais, c'est lui qui a ce dossier en main. Tout cela avec confiance, avec foi, qu'il prend soin de moi. Il prend soin de moi. C'est son désir, c'est son travail, c'est son boulot. Et il le fait, et en plus, il le fait bien. Il sait prendre soin de moi. Pas de doute à avoir là-dessus. Il met tout en œuvre dans ce sens pour prendre soin de moi. Alors prêt ? Prêt pour tout décharger sur lui ? Car il sait si bien prendre soin de nous.